Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer, paramétrer et router vers Internet un deuxième réseau de mon réseau local. Lorsque vous surfez sur Internet, vous montrez votre adresse IP. Donc ce que nous allons faire là aujourd'hui, vous serez protégé d'un cran. Lorsque je dis que vous serez protégé d'un cran, vos données sur Internet avec votre adresse IP. Parce que lorsque vous surfez sur Internet, ben vous laissez des traces. Ok, nous tirons votre adresse IP. Donc du coup, c'est avec ça que les mecs procèdent pour introduire votre réseau quoi et dérégler ça. Pour ceci, j'aurai besoin d'un routeur. Ok, ça c'est un routeur Wi-Fi de la marque Netgear. Ok, j'en profite pour vous dire aussi, on va voir comment manager, activer un point d'accès Wi-Fi. Ok, je vais utiliser ces ports là pour câbler le réseau filaire. Ok, les ports qui sont là. Ce sont des ports LAN et le port jaune que vous voyez là, c'est le port WAN, okay, qui lui donnera accès à Internet. Okay. Je vais vous faire un diagramme de mon réseau, comme ça vous allez comprendre ce que je vais faire clairement. Et si ça vous intéresse de le faire, ben vous achetez un deuxième routeur, ok, qui est un routeur Wi-Fi Netgear. C'est le modèle WGR614V9. Okay, donc vous connaissez, il vous donne l'opportunité de câbler un réseau filaire et d'activer un point d'accès Wi-Fi aussi. Donc on va utiliser avec des commandes ceci pour avoir des informations sur la carte réseau. D'accord, donc je vais vous faire le diagramme tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ouais, ce tutoriel va durer un peu. Faut savoir que cet équipement que vous voyez là, c'est un équipement réseau. Vous avez les ordinateurs, les imprimantes, les automates programmables, ce sont des équipements réseau. Mais le routeur, c'est celui qui route le réseau, ou bien les réseaux où se trouvent les autres équipements réseau. Vous avez les switches aussi. Un ordinateur, il a la carte réseau, donc forcément c'est un équipement réseau. Vous avez les smartphones, tablettes et des tout. Ozi, c'est un équipement qui se trouve dans la couche réseau. Okay, vous avez la couche physique. Si vous avez les cartes réseau se trouvent dans la couche physique. Si voilà le modèle Ozi, je vous ferai un tutoriel là-dessus. Hein, c'est pas le but du tutoriel. Bon, qu'est-ce qu'il a en particulier ceci? Ceci, comme je vous ai dit, il donne l'opportunité de câbler. On va câbler tout à l'heure. On va déjà le mettre sur attention. Et de plus, je vais vous montrer comment resetter ce routeur Wi-Fi. Resetter, qui veut dire réinitialiser à l'état d'usine. Tout à l'heure, vous allez voir, parce qu'on va se connecter en HTTP sur l'interface web de cette machine pour aller manager, pour aller configurer tout à l'heure le réseau et tout ça. Il faudra un mot de passe. Donc par défaut pour ce modèle là chez Netgear, c'est admin comme nom d'utilisateur et password pour le mot de passe en fait. Bon. Ok, je pense que vous aurez compris. Par exemple, vous avez ce modèle là aussi, lui qui est un switch. Lui il fait pas de fonction routage. Lui c'est un commutateur. Exemple commutateur, tout de suite après je vais passer au diagramme du réseau afin qu'on passe à la pratique en troisième lieu. Ceci c'est un switch. Ok, vous avez 24 pour fast ethernet, hein, les câbles SJ45. Je vais voir un câble, hein. Voilà. Les câbles SJ45, hein, ok, qui ont leur embout comme ceci. Et bien celui-ci en possède 24 ports comme ça. Ça veut dire que
vous pouvez relier 24 équipements réseau. Sauf que celui-là n'est pas manageable. Voilà, il fait que co-méditateur auparavant. Et les hubs, ben, des concentrateurs. Les hubs contrôlent pas les données que ça transfère. Le switch, il prend le temps d'analyser, voire pour ne pas envoyer toutes les informations partout. C'était ça le grand souci avec les hubs. Donc ils ont mis les switches maintenant. Il y a des switches manageables, par exemple tels que Cisco, qui produit les switches manageables ou non manageables. Hein, et en marque de routeur aussi, pour créer des VLAN et tout ça. Tout ça. Il y a déjà des tutoriels sur la chaîne vous expliquant comment tout ceci. Et ceci dit, si vous avez plus de machines, par exemple là il y a 24, 500 machines. Donc vous connaissez le schéma, donc c'est de plus en plus vous raccordez des switches et puis vous mettez des machines. Ok, voilà. Celui-là il comporte parce que c'est un net en LAN 4 ports. 4 ports, mais je peux connecter directement 4 machines là sur le même réseau. Et ça là, vous allez voir tout à l'heure, le port jaune là, c'est le port WAN qu'on va configurer tout à l'heure. Là j'ai internet. Pourquoi? Parce que je suis connecté au réseau FI. Je vais vous faire le diagramme afin que vous compreniez un peu ce que nous allons faire. Bon, voilà. Ce que vous avez chez vous, en principe, c'est comme ça. Moi, je suis chez Free. Si vous êtes chez SFR, chez d'autres opérateurs, ben vous, moi, je suis chez Free, donc j'ai cet équipement chez moi. Ok? Donc, vous pouvez avoir autre chose. Mais, en principe, lorsque vous allez, donc, je peux mettre un... Ok. Je mets... Box FAI pour fournisseur d'accès internet. Ok, donc lorsque vous allez vous acheter un réseau informatique, pour ceux qui savent pas c'est quoi un réseau informatique, il y a des tutoriels sur la chaîne expliquant c'est quoi un réseau informatique, quel que soit virtuel, ou je vous ai montré comment calculer les adresses IP sur la chaîne déjà. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir sur la chaîne, vous allez trouver la base des réseaux informatiques, par exemple les bits, les octets. Vous savez qu'un octet comporte 8 bits. Il faut calculer les réseaux, enfin l'adresse broadcast, puis d'autres adresses. Et voilà, découpage de ce réseau. Vous avez la clé sur la chaîne, donc je vous invite d'aller voir. Ok, je peux dire que c'est les failles. Pendant que les failles il est là, si je veux, je vais éditer la belle. Dire que j'ai pris mon abonnement chez Free ou chez Book Choose. J'ai l'adresse IP. Par défaut, vous aurez ce que je vais mettre tout à l'heure. Ou bien d'autres choses. Donc on va dire que c'est 192.168.1.0. Donc vous avez ce réseau là. .0 réseau 1. Après vous pouvez découper, faire ce que vous voulez avec. Vous allez voir que le réseau que je vais montrer tout à l'heure, vous allez voir, ça c'est un réseau de la classe C. Aussi j'ai des tutoriels qui montrent pour savoir quand est-ce que c'est un réseau de la classe B ou A ou D ou autre. Par défaut, soit vous avez le 0 ou 1. Donc là moi j'ai un 0, moi j'ai pris celui-là pour le tutoriel, que c'est bien ceci, ce qui me laisse connecter à internet tout à l'heure. Si je fais un config, ok, voici l'adresse IP de la machine que je tourne ce tutoriel là, celui là ok, adresse IPv4. Était donc dans le réseau 0, parce que un réseau de la classe C, la troisième octet, c'est lui qui identifie le réseau. On appelle ça NetID. Et puis la quatrième octet, c'est la partie machine. On dit que c'est Lost ID. Ok. On retourne sur le diagramme. On avait dit que j'ai ceci. Ça, c'est mon réseau en fait. C'est tout. Ok. Vous, si c'est autre chose, c'est autre chose. On va mettre autre chose. Network and device. C'est la faille qui me donne accès à internet. C'est ce que j'ai à la maison. Donc, je vais le câblé comme ça, c'est lui qui amène. Déjà vous avez cette partie là, votre box à la maison. Si vous avez par exemple votre imprimante, par exemple ici il y a l'imprimante, il faut savoir que
les box que vous avez chez vous possèdent déjà la notion switch. On en parlait tout à l'heure. L'imprimante, son adresse IP. Le tutoriel va durer un peu. Et puis, si l'imprimante résolue, il a une adresse IP puisque c'est un tutoriel réseau. 192.168.0, bon ça c'est ce que j'ai hein. Point, on va lui mettre la 77, ok. Donc si vous voulez le contacter sur le réseau, il suffit de faire un, voilà la partie machine, ok. Vous avez aussi votre machine, donc votre ordinateur chez vous à la plat là. Dire que moi c'est l'ordinateur que je tourne ce tutoriel, ok. Je vais le représenter ici, relié au switch de ce réseau, ok. Ici je peux mettre internet, comme ça vous allez bien. Edit label, je mets un internet, et cette machine je vais mettre son vrai adresse parce que c'est une histoire avec cette machine. Pourquoi? Parce que c'est cette machine qui va posséder des cartes réseau pour que je puisse câbler l'autre réseau que je vais faire tout à l'heure. Ok. Là, c'est la partie explication. Il y a la partie câblage qui va venir tout à l'heure. Okay, du routeur que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, là, en tout cas, c'est ça que j'ai pour le moment. Ok. Sur le réseau. Maintenant, vous aurez pu avoir votre télévision. Ok. Qui est connecté aussi. Hein. Télévision. Pour faire une télé, là. Ça va être un peu comme ça pour faire une télé. Par exemple là, ou autre chose qui fonctionne sur le réseau. Ok, donc vous recevez déjà les programmes télévisés déjà via internet. Ok, si je vais mettre son adresse IP pour dire l'adresse. 72.68.0. Ça c'est virtuel, ça c'est voilà, je mets 25 et puis autre chose dans le réseau 0. Ok, donc ça c'est le réseau que vous pouvez avoir chez vous hein, collecté directement hein. Vous pouvez avoir un serveur aussi hein. Ok, le but de ce tutoriel, vous verrez, on va utiliser des switches tout à l'heure, vous verrez. Donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Donc lui il peut se connecter là sur le même réseau sans souci. Et lorsque vous surfez sur internet, vous montrez votre adresse IP. Donc ce que nous allons faire là aujourd'hui, vous serez protégé d'un cran. Que lorsque je dis que vous serez protégé d'écran, c'est la façon que vous montrez vos données sur internet avec votre adresse IP, parce que lorsque vous surfez sur internet, ben vous laissez des traces, ok, notamment votre adresse IP. Donc du coup c'est avec ça que les mecs procèdent pour introduire votre réseau quoi et dérégler ça. Donc par exemple, si je vais là, je laisse cette adresse IP sur internet, quelqu'un qui savent quoi faire avec, et bien ils vont venir faire chez mon réseau qui prenait plein de choses. Mais si vous savez comment configurer tout ceci, ben à chaque fois qu'ils vont voilà, ils vont voir, on retourne ici. Donc ce que on peut avoir autre chose aussi hein, plein de choses. Par exemple avoir un serveur NAS quelque part et qui lui qui a une adresse IP 92.0.
Ok, on peut dire que ceci, hein, donc, vous savez que vous achetez une plage adresse IP de 255 adresses, donc 254 utilisables lorsque vous allez prendre un abonnement chez Free pour vous dire que vous avez un réseau informatique à la maison. Maintenant, on va avancer avec ce tutoriel parce que t'es là. Donc, c'est ce que je veux protéger, ok? Ce que je veux protéger. Là, je vais venir utiliser ce routeur Netgear que je vous ai montré tout à l'heure. Okay. Ici, c'est une adresse IP publique. Hein. Okay, c'est une adresse IP publique, mais ça, c'est le pays qui a contrôle là-dessus. Donc, vous n'avez pas accès. Donc, je vais venir prendre ce routeur Wi-Fi. Ok. Ce routeur Wi-Fi Netgear. Que je vais. Ah putain. Ah, j'aurais pu changer les piles, mais je pense que j'ai mis les piles là. Ok, j'ai ce routeur là. Qui lui va me donner l'opportunité de générer peu importe le réseau que je veux utiliser. Ok, peu importe le réseau, je me dis peu importe. Ok. Lui va être lié à l'FAI. Pour aller créer un autre réseau, par exemple, je vais créer ce réseau-là. Je veux dire que c'est un routeur. Deux. Ok, donc je vais mettre un routeur. Tout simplement. Tout à l'heure, je vais renommer. Là, c'est une façon de le renommer, mais c'est pas comme ça vraiment qu'on renomme un routeur. Je vais vous montrer comment le faire. Réseau 2 tout à l'heure, donc je vais prendre une adresse IP. Je peux prendre de la classe comme ceci. Là. Je prends celui-là, c'est pas un problème. Ok, donc je vais prendre ceci. Comme réseau. Okay, donc ça c'est LAN. Par exemple, comme je vous ai dit que cette machine possède deux quatre réseaux connectés sur l'autre réseau et sur celui-là en même temps. Le routage qu'on va faire du NAT pour la translation d'adresse du réseau local du LFI pour aller donner internet à des machines qui vont se connecter là, parce que c'est pas comme ceci. Si je laisse ça comme ça, vous verrez. Que voilà, donc je vais faire cette partie-là, la partie LAN, après la partie WAN, et je vais vous montrer après. Là, par contre, si on dit que c'est vraiment le routeur Wi-Fi que je vous ai montré, celui-là, mais il possède déjà, on peut venir connecter quatre machines là-dessus pour le LAN que je vous ai montré tout à l'heure. On peut venir connecter plus de machines. Vous prenez le commutateur qui est là, et vous le reliez au routeur qui est là, donc il va vous donner l'opportunité de 4 ports de passer à 24 de plus. Il peut connecter beaucoup plus de machines dans ce réseau-là. Donc c'est ce que je montre comment faire tout à l'heure. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que là je transpire. Si j'allume le ventilateur, je prends un peu de... Non, je peux pas. Là c'est la pause parce que je peux pas. Il fait trop chaud. Ouais, ça fait du bien. Bon, bientôt on va passer au câblage. Hein. On va passer au câblage. Donc, s'il vous plaît, c'est le ventilateur parce que je fais. Il fait chaud et voilà. J'ai ce qui est le ventilateur là qui peut me sauver. Donc, je retourne ici. C'est bon. Et déjà, je vais faire ce que je vous ai dit là, hein. Je vais mettre un switch, j'aurais pu le relier directement, j'ai pu relier ceci directement, hein. Parce qu'il y a déjà des ports, enfin c'est net, mais je vais dire que je vais, disons dire, ajouter toute machine, ok, donc déjà je vais, ici là,
Et ce réseau-là, ben, il n'a pas défaillé, il n'aura pas Internet. Hein. Après, je vais le relier à Internet, mais vous verrez comment faire. Puisqu'on va faire du NAT pour la translation d'adresse, je vais dire que je prends d'autres choses, hein, d'autres ordinateurs. Par exemple, ici, vous pouvez avoir un ordinateur portable. Là, vous avez vu la Wi-Fi, là, on va voir tout à l'heure. Vous avez un ordinateur portable qui lui est relié via le switch, comme ceci. Avec l'adresse IP. Donc lui c'est toute façon on va commencer le tutoriel déjà. 88.89.10 par exemple, je dirais 10. Je vais mettre un slash 24. Okay. Ça, ce réseau-là, déjà, il y a une machine direction adresse IP. Et lui, il possède, cette machine-là possède deux cartes réseau. Donc, je peux le lier aussi à ce réseau-là. De toute façon, lorsque je vais finir de câbler ce réseau, il va me falloir manager ce réseau-là. Croyez-moi. Et c'est cette machine que j'utilise actuellement, puisque je mets des cartes réseau aussi hein, sur cette machine-là pour aller paramétrer ce indice qu'on allait faire. Ok, jusque-là tout va bien. Donc, par contre, lui, je dois lui mettre une adresse IP dans ce réseau-là. Donc sa carte réseau à lui, on va voir que IP 77 point 88 point 89 point 20 slash 10, donc ils sont dans le même réseau. Là, c'est un slash 24, hein, donc je crois que je vais tous les mettre. Hein. Ça, c'est le masque de ce réseau. Ça, slash 24, ça veut dire que c'est la classe C pour ne pas me péter la tête parce que mine de rien je vais me prendre un réseau de la classe B que je vais faire tourner ici donc slash 24 pour celui-là donc c'est un réseau de la classe C celui-là il est lié au même réseau slash 24 slash 24 veut dire 255.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 
ici. Là, c'est le réseau que on va câbler tout à l'heure. Hein. Lui a son adresse IP 77.88.89.0.0. On va dire que lui il a la porte 30. Par contre, je vais mettre vraiment slash 16 puisque c'est de la classe B. Ok, lui aussi va être au lieu du slash 10, ça va être du slash 16. Et lui, au lieu que ce soit du slash 24 aussi, je vais mettre toutes ces bases-là, vous les avez sur la chaîne 16. Okay. Donc là, on aura ce réseau-là qui est déjà créé en réel. Et ça, c'est celui que je vais créer tout à l'heure. Ok, si je peux, ça, s'il prend là, c'est bon, nickel. S'il prend aussi, c'est correct. Nickel. Oui, est-ce que je peux faire toi? Ouais. Oui, est-ce que je peux pas le mettre quelque part comme ceci? Et lui. J'agrandis un peu. Pour dire que là, il y a deux réseaux. Réseau que vous avez par défaut. Et l'autre en slash 16. Voici le schéma de ce que on va faire tout à l'heure. Parce que là, il faut que je câble la partie internet pour que ici. On va faire ça tout à l'heure. Bon. C'est. Ça ressemble à rien. Mon schéma là, mais je pense que vous avez compris ce que si je peux pas faire. Ça ressemble à quelque chose quand même. Sérieux, ça ressemble pas à grand chose à mon schéma. J'essaie de faire ça ressemble à quelque chose. Voilà. C'est quoi? Là, je vais prendre cette machine, je tourne ce tutoriel qui lui qui a des cartes réseau. Je fais un Windows plus R qui m'apparaît ceci. Je tape ncpa.cpl. Ok, je fais entrer. Qui lui ramène ici, mais qui fait toujours chaud. Et si ça tournait comme ça. FAI, c'est la carte réseau qui est connectée sur le FAI. Ça, réseau test, c'est la carte réseau qui va faire fonctionner le réseau que je vais connecter là, que je vais câbler. Mais le problème, c'est que là, il est pro câblé, la carte réseau est désactivée. Lui, il est activé. C'est pour ça que j'ai Internet ici. Okay. D'accord? Vous avez vu ici, accès à Internet. La façon pratique. Donc là, j'ai deux cartes réseau. C'est les deux cartes réseau que j'ai figuré ici, sur cette machine-là. Qui lui, il y a une carte qui va être reliée ici et l'autre qui va être reliée ici. Ok, sur cette machine-là. Dans la partie FAI, comme je vous ai dit, on va voir tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Ok. J'ai ceci que ouais. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. Il faut que je mets ça en org scream l'équipe. Ok, mais attendez puisque là caméra qui voilà. Et lui, j'espère qu'il sera. Ouais, mais j'ai pas de screen décrypteur encore là. On parle d'une affaire de screen décrypteur comme
Attends, je vais fixer ça. Je vais fixer ça. Après, on passe au câblage de ceci. Ghostperson Scream Recorder Windows Mac. Maintenant, c'est pas ce que je veux, moi. Ok, donc du coup, je vais relancer l'application parce que c'est une application que j'utilise pour, par exemple, pour montrer comment câbler ça là tout à l'heure. Son nom c'est A Power Mirror. Ok, comme c'est écrit A Power Mirror. Donc c'est que je l'ai installé sur. Parce qu'il y a des petites manip. Comme ceci là, vous voyez que ça charge, mais ça charge, mais voilà, je sais pas que. Voilà la partie câblage de ce routeur wifi. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc je passe comment c'est si ouais non mais later, later, later. Ok, bon, c'est bon. Je vais placer. Je vais utiliser ceci. Ok. Je vais placer. Parce que c'est là que je vais le brancher. Hein. Si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Ah, c'est mieux, vous le voyez mieux. Bon, ok. Vous avez ce routeur que je vais venir court. Donc je me pose. Bon, ok, là en train de câbler ceci. Peut placer ça là. Ok, pour le câblage c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que il vous faut le câble alimentation. On va venir connecter là. Ce que je vais faire, je le mets sur tension déjà, et vous aurez besoin d'un câble RJ45. Ok, ça va relier l'équipement réseau que vous souhaitez relier sur le port RJ45 de l'équipement. Donc là, je vais relier un ordinateur à ce réseau que je vais câbler tout de suite. On a déjà vu les références, donc je mets ça sur tension. Puis je vois que si vous avez ceci, des LED, hein? Ok. Puis vous avez les numéros de port, hein? Le port 1, le port 2, le port 3, ce qui fait référence, le port 4, hein? Qui fait référence à ce port là. Ok. À ce port là. Et ce port là, c'est ce port là que nous allons venir connecter sur le réseau pour sortir du réseau local et aller sur Internet, ok, l'extérieur. Bon, c'est câblé. Je connecte déjà ça sur le port. Voilà. Bon, ok, c'est câblé. Là, j'ai deux machines ce routeur et c'est sur tension. Maintenant, vous devez savoir le réseau que cette machine utilise. On passe à l'invite de commande. Si vous faites un IP config,
Ok? Et puis config, je l'ai déjà fait ici, qui vous affiche ces informations-là. Vous devez connaître la passerelle de votre carte réseau. Donc moi, cette carte réseau FAI, sa passerelle est celui-là. Passerelle par défaut, ça c'est en IPv4. Et celui-là, c'est sa passerelle par défaut en IPv6. C'est-à-dire que si je veux me connecter sur cette interface-là, c'est la passerelle que je vais devoir choisir. Mais vous avez vu qu'il n'y a qu'une seule carte réseau configurée ici, si je fais un CLS. Vous tapez ipconfig tout simple. Cette commande-là est une commande ipconfig tout simple. Là, vous avez des informations minimes. Donc, vous affichez encore la passerelle, hein, l'adresse IP de la machine et le masque de sous-réseau. Donc, on a dit que c'est ça que veut dire slash 24. 255.255.255.0. C'est un masque sous-réseau de la classe C. Voilà, des autres informations, donc c'est pas la peine puisque on va se limiter à ça. Donc si vous faites ipconfig, vous faites un espace, vous faites slash all comme ceci, vous aurez plus d'informations. Ok, mais comme c'est pas ça, le nom de l'autre, le nom de la machine, plein de d'informations concernant les quatre réseaux. Donc là, vous avez vu que avant tout, il n'y a qu'une seule carte réseau connectée. Ok? En graphique. Et donc, c'est pas là. Ici, c'est cette carte réseau-là qui donne accès à Internet. Là, vous voyez qu'il y a accès à Internet parce que c'est celle qui est connectée. Donc, si je le déconnecte, ok, je le désactive, hein, tout simplement. Je le désactive temporairement. Vous allez voir que je n'aurai pas Internet tout à l'heure. Vous voulez juste que qu'ils se désactivent. Vous voyez que tous les deux désactivés. Tous les deux cartes réseau sont désactivées. Donc là, du coup, j'ai plus Internet. Ok? J'ai plus Internet. Vous n'avez pas d'accès à Internet sur cet ordinateur. Je vais activer cette carte réseau-là. Sur cette machine-là, je vais activer la carte réseau qui est reliée à ce réseau-là. Par défaut, ce n'est pas ce réseau-là qui est sur cette machine. C'est 1.1.1.1 par défaut. OK? Puis après, vous pouvez configurer ça. Moi, je sais que je l'ai déjà configuré ce routeur. Il y a déjà un réseau. Là-dedans, je vais faire semblant d'oublier mon mot de passe pour que je puisse vous montrer comment resetter tout ça. Si vous êtes dans le cas, par exemple, si vous l'avez déjà configuré, que ça vous arrive d'oublier les informations de connexion, ben, vous devez resetter ça. Bon, bien sûr que si vous avez des données importantes, faites attention. Donc voilà, je vais activer cette carte réseau là sur cette machine. Ok, ceci qui est réseau test. Réseau test. Là, le câble, il a bien détecté le câble. Il est activé, hein. Mais j'ai toujours pas Internet. Pourquoi? On a dit qu'on n'a pas encore fait la partie internet. La partie internet, c'est on va venir le câbler là. Ok, pour configurer l'interface WAN de ce routeur, le port jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'il ait une adresse IP de ce réseau là. Et que lui qui fait la translation de l'adresse, qui donne accès à internet à toutes ces machines qui sont là. Par exemple, l'ordinateur qui est là, ou internet. Mais si je ne fais pas nécessaire, je vais juste vous montrer comment avoir les informations sur le réseau qui a été câblé. Donc là, j'ai ces quatre réseaux là. Si je fais ipconfig que j'ai activé là, ipconfig comme ceci, voici son adresse IP. Ok, et la passerelle de ce réseau est ceci. Et ceci, ce routeur en fait. C'est cette adresse-là que je vais venir taper dans n'importe quel navigateur pour manager ce routeur. Donc là, j'ai un réseau configuré déjà. Vous vous doutez bien que j'ai déjà manipulé avant de vous faire ce tutoriel.
je vous invite à vous abonner encore, si je peux encore faire, s'il vous plaît, pour plus. Donc, du coup, là, si j'active l'autre 4 réseaux, celle-là qui est connectée à ce réseau FAI, à ce réseau-là, cette machine aura accès à Internet encore. Donc, je vais refaire ça. J'active ceci. Voilà. Activé. Maintenant, dans peu de temps, parce que les deux cartes réseau sont activées maintenant, si je vais ici faire un IP config, je vais voir les deux cartes réseau affichées et les deux autres réseaux. Là, vous voyez que accès à Internet, lorsque vous cliquez en bas. Tout à l'heure, je n'en avais pas. Parce qu'il n'y avait qu'une carte réseau activée, c'est celui qui relie le réseau test. Et le réseau test n'est pas encore relié à Internet. C'est pour ça que j'ai activé le FAI maintenant. J'ai Internet. Donc, qui est réseau 2. Si je retourne là, je fais un IP config. IP config. Comme ceci. Là, j'ai une autre carte réseau. Ok, je vois tous les deux ici. La carte réseau de FAI plus celui-là. Celui-là, on ne va pas toucher, c'est celui-là qui va donner accès à Internet. Et qui a accès à Internet, c'est là. Donc, vous avez vu qu'il a pris l'incendant sur le réseau test. Ok? La carte réseau de FAI. C'est lui qui a pris, qui a donné accès à Internet. Donc, je vais le désactiver de manière que qu'on va passer à la la configuration du réseau. Je relève la passerelle, ok, celle-là, passerelle par défaut, ceci je garde en mémoire moi. Sinon, parce que c'est sur le réseau test que je vais me connecter, ok, je lance un navigateur, peu importe, par défaut. Bon, je vais prendre celui-là, c'est pas un souci. Ok, vous connectez en HTTPS sur l'interface de ceci, ok, de ceci, c'est ce que je vais me connecter sur l'interface de ceci. Donc du coup, j'ai déjà fait le nécessaire, mais je dois, je viens ici, je tape http, ok, et des points slash slash, et vous tapez l'adresse IP du de la passerelle. Ok, celui-là. Ok. Point. Ok. Vous le tapez, vous faites entrer. Normalement. Ok, qui est celle-là. La passerelle de ce réseau-là. On va le faire pour le sur réseau 0 aussi. Vous voyez, vous verrez la différence. Ok, vous faites entrer. Boum. Là, je vais faire comme si que j'ai oublié l'information, par exemple le nom d'utilisateur. Là, là, je sais que c'est configuré. Si je le mets d'ailleurs, on va voir comment modifier aussi le mot de passe sur ceci. Et je crois que je l'ai oublié vraiment. Hein. Ouais, je l'oublie vraiment. De toutes les façons, on va voir comment resetter tout ceci. Donc, il va régénérer un autre réseau. Rester branché. Donc, du coup, ça fait bon, là, je me suis connecté sur cette interface-là. Ça m'a lâché l'application. Il faut que je enfin, mine ni rien, ça m'a donc là vous avez compris, là c'est bon. En tapant ceci ici, vous arrivez sur l'interface de ceci. Donc là, je vais me déconnecter. Tout en bas, est-ce qu'on se déconnecte dans ce truc, ou sinon l'affichage est trop grand, il faut que je maximise, parce que normalement il doit avoir un endroit où
suis connecté dans ce single logout. Voilà, ça c'est bon. On s'était connecté ici. Maintenant, je vais activer le réseau FAI. Donc, ça va être ici, ce réseau-là. Pour la même chose. Je l'active. Puis je vais relever sa passerelle. Je pense que je l'ai déjà ici. Voilà. Cette fois-ci, je fais ceci. Je fais la manipulation. Après, tout de suite après, je vais vous montrer comment resetter le routeur Wi-Fi. Ok. Soit je le pose directement, pas besoin de faire HTTPS, ça va le faire. Là, vous voyez que c'est celui de la Freebox. Je laisse ça comme ceci pour ne pas trop. Là, je vais le réactiver. Attention, ça c'est un test. Désactive pas votre carte réseau comme ça pour voilà. Moi je le fais parce que je fais le tutoriel, mais c'est pas. Je vais activer. Voilà, c'est bon. Et tous les deux connectés, je vais le désactiver. Ok, désactivé. Là, j'ai ceci. Ça, c'est le réseau FAI. Donc, tout est connecté. Si j'active sur Internet, maintenant, je vais faire pour le réseau. Attendez, 7.7.7.254. Pour ce réseau-là, je tape entrée. Là, je dois faire tic tac, mais en faisant ceci, j'ai oublié. Par exemple, je tape mot de passe. Hop, j'ai oublié qui va pas se connecter. Hein. Là, ça me ramène tout le temps parce que je fais add. Et c'est pourquoi, parce que j'ai tapé un mauvais mot de passe. Maintenant, pour remettre ça à zéro, pour mettre ça à l'état d'usine, bon, voilà, ça ne peut pas. Et puis pour celui-là, ce scooter là, là, et si c'est le problème. Donc, on passe au resetage de. Voilà, le scooter là. Vous devez trouver quelque chose de pointu. Quelque chose de très très pointu. Quelque chose de très très pointu. Je vais voir si ça rentre déjà lui. Oui, ça le fait. Certains modèles, voilà. Vous avez un point ici, un point reset ici. Côté, vous devez, en premier lieu, il y a plusieurs façons pour purger cet équipement là, pour le purger. Vous débranchez tout ceci. Voici sur tension, vous restez appuyé sur ce bouton là, le bouton reset. Sur d'autres appareils, c'est le bouton power. Bon, ça c'est technique des techniciens, ça. Ok, c'est le bouton power. Donc là, ce n'est pas parti à zéro. Ok, je vais même faire le test, hein, pour vous montrer que ce n'est pas parti à zéro. J'ai juste purgé cet appareil. Donc là, on est en APIPA. Il y a APIPA là-dessus, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité réseau, rien du tout. Ok, là, je vais le mettre à un endroit où pour mettre un réseau pour l'activité réseau. Donc si je fais IP config, là, je vais voir autre chose. Ben là, c'est autre chose. Voici la passerelle de la carte réseau. Là, c'est pour ça qu'il contacte. Là, il a directement contacté puisque j'ai remis à l'adresse ici. Maintenant, on va vider ça. Ok, on va vider ça. On va, ce réseau va disparaître. Le mot de passe et tout va disparaître. Si vous avez ce routeur là, vous avez oublié vos informations de connexion. Ok,
Ben, je vais vous montrer comment le vider. Pour le vider, vous prenez quelque chose de pointu, comme j'avais tout à l'heure. Je reste sur le point, aux étages là. Je vais vous montrer pendant une affaire de 10 secondes. Jusqu'à ce que vous voyez que ça clignote. La procédure est, vous mettez ça sous tension comme ça et vous branchez le câble RJ45 qui est bien dans son lame et vous prenez quelque chose de pointu tel qu'une trombone, tout dépend. Vous avez le point reset là, vous venez ici et là, vu que ça s'est aligné bon. Okay, vous voyez que ça clignote comme ça, vous lâchez. C'est la procédure du résetage comme ça. Ça là, je vais devoir reconnaître maintenant le réseau qu'il a. Attention, je fais un IP config. Ok, IP config. Ce sont quatre réseaux test médias déconnectés. Est-ce que ouais, c'est médias déconnectés. Là, c'est le câble. Lorsque vous voyez la croix rouge, là, ça veut dire que c'est le câble qui est déconnecté. Bon, là, je le branche un petit peu. Là, vous voyez que c'est activé maintenant. Si je fais, parce que j'avais fait ça, ça m'a donné ceci. Je fais un IP config encore. Boum. Et voici le réseau qu'il a maintenant. Ça ne sert à rien de taper ceci maintenant parce que ça ne va plus répondre. Là maintenant il a un autre réseau. Donc si on fait un test, que vous avez vu que ça a donné ça lorsqu'on a tapé ça ici. Maintenant ça c'est le réseau FAI, celui qui est déjà connecté. Je fais un test, je colle ici, je fais ceci, et bien ça va rester comme ça jusqu'à ce que vous ayez une erreur. Ok, je pense que vous aurez compris cette partie là. Maintenant réseau test, il a une nouvelle parce qu'elle par défaut. Donc le réseau que vous achetez par défaut lorsque vous achetez par exemple le point 1, bon, après on va modifier ce réseau là, on va mettre le réseau qu'on a mis ici là. Vous voyez, impossible d'accéder. Maintenant si je mets cette adresse IP maintenant, ça me ramène vers la page pour m'identifier. Par défaut, comme je vous ai dit, c'est mentionné par exemple en dessous de l'appareil sur l'étiquette. Par défaut, c'est admin et comme mot de passe et password, ce qu'on va mettre là pour qu'on puisse se reconnecter ici. Ok, pour se reconnecter sur le routeur qui est là. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Comme on a dit par défaut, ça va être admin, comme ceci. Et mon passe c'est passe world qu'on va changer tout à l'heure, s'il vous plaît. Je vous invite à changer. Pourquoi? Parce que par défaut, ça c'est ce qu'ils savent, c'est ça. Ils connaissent. Donc ils vous laissent ça par défaut comme ça là. Vu que la même façon que je le sers, la même façon d'autres personnes peuvent le savoir. Mais s'il veut attaquer votre réseau, ben, déjà, s'il arrive à se connecter ici, il peut voir le réseau que vous utilisez. Alors que le but de ce tutoriel, c'est de cacher ce réseau-là par celui-là. Et on va voir. Lorsque vous êtes ici sur le routeur, okay, en HTTPS, vous avez à gauche, okay, si vous voulez faire un peu de lecture, vous faites, mais ça se passe à gauche. Ça tape pour dire, c'est en anglais. Vous avez la marque du routeur Smart Wizard, Router Manager. Ok, c'est un routeur Wi-Fi, hein, c'est le modèle G, routeur modèle VGR614V9. Ok, ça c'est la version de la. Pareil, vous avez la version de logiciel aussi, mais tout à l'heure on va voir. Si on fait dans Setup Settings, Basic Setting, donc pour les paramètres basiques, le nom du compte qu'il y a, on peut le modifier après. Là,
Internet et puis adresse, donc là il n'y en a pas, donc c'est pour ça qu'il n'a pas accès à Internet, ce réseau-là. Ok, même s'il active, il n'y a pas accès à Internet. On va lui donner accès à Internet à la fin. Ça voudra dire que même si que j'active l'autre carte réseau, ok, j'ai d'autres machines à côté où je le désactive, et eh bien j'aurai toujours Internet en fait via ce réseau-là que j'aurai comme test. On va voir les DMZ tout à l'heure. Et par exemple, domaine name server, si c'est déjà dans un domaine, bon ben, vous pouvez introduire cette machine dans un domaine. Serveur DNS primaire, secondaire, donc ça c'est pour la résolution d'adresse IP en nom de domaine. Ok, c'est ce service-là qui prend l'adresse IP et le convertit en nom de domaine. Par exemple, Charlene Tech, si son adresse IP est telle, elle va prendre, voilà, vice-versa. Et secondaire, bon, ça c'est la MAC adresse des routeurs, donc bon, je vais parler trop loin là-dedans. Et vous avez en Wi-Fi, ce qu'on va voir tout à l'heure, pour activer. Donc là, NetGear, c'est par défaut. Hein. Si, par exemple, je fais un tour, où est le nom, hein, NetGear sur le Wi-Fi. Et je vais dans Wi-Fi non connecté. Hein. Ça, c'est le téléphone. Donc ça, c'est un autre réseau Wi-Fi. Et j'ai ce réseau-là, NetGear, que je me suis connecté dessus sans problème. Pas demandé de mot de passe, rien du tout là, avec mon téléphone. Donc là, s'il y avait Internet, j'aurais pu avoir accès à Internet. Et je vous assure, ici, j'ai coupé les données mobiles, là d'ailleurs, là, il n'y a pas Internet sur ce téléphone. Connecté, aucun accès à Internet. Il le dit bien. Par exemple, celui-là qui est le pays, qui est le Wi-Fi de ce réseau, qui est tout correct, hein, il a déjà Internet connecté. Là, déjà, il a dit enregistré, il peut se connecter. Authentification. Oui, il est connecté. Parce que je connais son mot de passe, j'ai déjà mis son mot de passe sur ce téléphone, donc il a enregistré. Maintenant, sur notre GR, j'ai jamais mis, il s'est connecté, GR a pas de cadenas. Lorsque vous voyez ça, ne laissez pas votre wifi comme ceci. Je reviens par là. Partie wifi. Si on veut, on renomme ça rapidement, mais on va déjà voir pour configurer le réseau qu'on allait configurer. Tout ceci, c'est là pour changer un mot de passe et tout ça au fur et à mesure. Wellness settings, sur machin. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est LAN setup. La partie WAN setup, on va nous intéresser tout à l'heure. Après, je dois faire admin parce qu'il nous a déconnecté. Et pass world en minuscule. Non, c'est pas ça. C'est ça parce que je pense que je me suis trompé. World. Ça, c'est bon. Là, on va activer le DMZ ici tout à l'heure, mais c'est après avoir mis les réseaux qu'on veut. Le firewall, je laisse comme ça parce que je ne vais pas le désactiver. Je vais laisser le firewall SPI activer. Ça, c'est la protection minimale de ce réseau. Après, il y a d'autres choses, par exemple VPN et tout cela. Ça reste à configurer sur ce réseau. Voilà, ou acheter des abonnements, tout configurer et tout, voilà. Et en LAN setup, donc ça c'est le réseau device name. Donc on va déjà vraiment renommer ce routeur en lui disant que c'est le routeur R1. Ok, R1 ou R7 par exemple, ou n'importe lequel. Ok. Et on va mettre l'adresse IP qu'on veut. Donc on va dire que ce réseau-là en slash 16. Ça se fait, c'est permis. Je sais que c'est pas des bases que je vous fais surtout.
Ça, c'est ce que ça, c'est l'autre réseau. Je vous ai dit, on peut mettre n'importe quel réseau qu'on veut sur ce routeur. Ok, donc on a dit qu'on allait prendre ceci, mais lui, son adresse IP, on ne l'avait pas mis. Ok, l'adresse qu'on va donner à l'interface du routeur, on l'avait pas mis. On va lui donner l'adresse IP. On a dit que c'est un slash 16. Exemple, la partie machine, c'est partie du troisième octet en fait. Ça, c'est la partie de machine. Donc, lui, son adresse IP, 77 88 88 88. Donc, ça, c'est la partie réseau. Et on va dire que c'est 2 5. 5 par exemple, on va dire que on va remplir cette portée et 254, ok, slash 16. Donc vous avez cette adresse IP. Ok, je vais l'introduire ici. On a dit que c'était 77. Parce qu'il faut que ça fonctionne. 2, 5, 5. 2, 5, 4. Ok. Par contre, puissance c'est la chaise. Ok. Et ça doit être un 0 ici. Ok. L'adresse du réseau, ce réseau là, ça c'est l'ancien chose qu'il y avait sur cette machine. Ok, donc là, bon voilà, tout est correct. Le serveur DHCP, déjà, il va donner l'adresse IP à partir du 2. Ça veut dire que le serveur DHCP pour Dynamic Host Configuration, c'est ce qui attribue automatiquement une adresse IP à une machine qui va venir se connecter sur ce routeur, sur ce réseau là. Ok, donc j'espère que vous avez suivi ce tutoriel jusqu'au bout. L'adresse du réseau, ok. Des préférences, on peut dire que on remplit cet octet là. Parce que là, vous pouvez mettre 2 à la puissance 16 moins 2 des machines. Donc ça reste à calculer. Donc j'ai déjà calculé tout ceci sur la chaîne. Donc je vous invite à ne pas les choses. Donc du coup lui il peut avoir sa adresse IP aussi hein, parce que c'est un réseau assez grand hein. Il peut avoir ici 253.30, ok, et lui il peut avoir ici 252 pour l'adressage des adresses IP, mais lui il a ceci. J'ai compliqué un peu la chose, mais il y a déjà la partie débutante déjà sur la chaîne. Donc, si vous souhaitez aller voir, n'hésitez pas. Bon, ok. On a dit que on doit venir mettre ici ceci. C'est bon, c'est correct. Tout est bien enregistré ici. Adresse réservation, si vous réservez des adresses, ben c'est là que je peux ajouter des adresses. Pour bon, moi, je ne sais pas. Voilà, je fais apply. Oh, mais là, il m'a recadré. Je sais que celui-là, il ne va pas le faire parce que ça doit être en minuscule et password. Et c'est bon, c'est fait. Donc là, si je fais Apply, bon, je pense que oui, il va prendre un peu de. Il va bugger un peu puisque je m'étais déconnecté. Donc on va refaire ceci un peu plus vite. Hein. S'il a pris, tant mieux. Mais s'il n'a pas pris, si je fais ceci, ben voilà. Alors, bon, voilà. Updating setting. Normalement, ça doit vous donner ceci. Si on va dans là, le réseau, tout est bien configuré.
Parce que comme ça a bugué, si on va dans la partie LAN setup, on est censé voir les informations qu'on avait. Si c'est pris en charge, ça ne répond pas comme ceci. Là, c'est bon signe, parce que ça veut dire que ça nous a éjecté de ce réseau 192.1.1. Donc, il répond plus sur ceci. Donc là, il va falloir que j'aille relever en faisant une hyperconfig encore. Comme moi, je sais l'adresse. Mais si vous savez pas, donc, parce que par défaut, ça fait ceci. Je me suis dit que s'il faut attendre que ça prend en charge certaines choses. Ouais, vous êtes connecté. C'est lui qui bug un peu. Si je fais un CLS, c'est pas grave, on a déjà. Et là, on a autre chose. Voici la passerelle par défaut. Donc là, c'est ce qu'il faut aller venir taper ou faire un copier-coller comme je fais là. Pour faire un copier-coller ici, c'est vous sélectionnez comme je fais la partie que vous souhaitez sélectionner. Vous souhaitez copier par exemple si vous voulez copier. Voilà, c'est ce que je veux. Je fais un clic droit direct. Sinon, je fais un CTRL-C. Et je lance encore une fois. Je fais un CTRL-V ici avec l'adresse IP, comme ça va très vite. Là, vous voyez que ça ne répond plus sur le point 1. Point 1. Il répond sur le D55. D54, ça c'est le réseau que je viens de créer pour que. Passe. Pour que j'aille utiliser à la place de mon réseau FAI. Protection 2 plus. Je vois que ça. Ouais, non, mais je pense que. Il ne veut pas répondre cette fois-ci. La première fois, c'était un autre. On dirait que maintenant, c'est le téléphone. Allô? Je veux pas dire. Bon, pour aller avec les entretiens, je ne vais pas répondre. Parce qu'on a compris que je ne voulais pas répondre. Donc, j'ai chaud, les amis. J'ai chaud. C'est pour ça que je me peux te voir comment je transpire. Parce que là, j'explique. Hein. J'explique que je pense que vous comprenez aussi. Et ma serviette là, parce que. Ça. C'est fait. Donc du coup, je retourne ici. Soit je fais, bon, je peux enregistrer ça ici. La partie LAN. Là, j'ai mon réseau LAN créé. Maintenant, ce réseau est créé. Si je fais un ping là, vous verrez ce que ça va dire. Ping. On va dire que 8 par défaut, point 8, point 8. Donc, on va voir si c'est Internet ou pas. Donc, ping aussi est un commande de réseau. Donc, impossible de joindre le réseau de destination. Donc, lui, il n'a pas Internet. Là, si j'active l'autre réseau, par exemple, bon, quand même, il donne des signaux. Hein? Il donne du signal. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un paquet ping envoyé 4, reçu 2, perdu 2. Donc, et là, 50% réussi du ping, mais c'est pas normal ça. Parce que moi je sais que c'est pas normal. Pour quelle raison ça a donné cette réponse là? Ben, c'est le fait que l'adresse IP 8.8.8.8 est une adresse IP distante, est une machine distante. Donc le serveur DNS public de Google. Pour que je puisse contacter cette machine distante, bien, il faut que je relie. D'abord la partie WAN, il faut que je configure la partie WAN tout à l'heure, de manière que je puisse sortir de mon réseau local et que je puisse contacter les machines distantes telles que les serveurs DNS Google par exemple, le 8.8.8.8 ou bien le 8.8.4.8.8.
4.4 ou bien le 1.1.1.1. Voilà, il faut que je fasse la partie WAN, qui donc la partie routage. Ok, donc c'est la partie routage qui manque, parce que le réseau n'est pas routé. Certes, il est configuré, il est là, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, vous allez voir, c'est là qu'on va mettre le NAT en place pour libérer la connexion. Une autre machine sur le réseau Wi-Fi, puisque que lui va pouvoir répondre. Je connecte cette machine-là sur le réseau Wi-Fi. Qui vous montre lorsque vous essayez de contacter une machine en ping, qu'est-ce qui vous dit que la machine est disponible sur le réseau ou pas. Donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, parce que là, ce tutoriel là, ça peut durer à la fin, vous êtes baigné du réseau. Ah non, mais je vous le dis, hein. Comme on a vu comment trouver la Wi-Fi NetGear ou le Wi-Fi, comme vous dites. Ok, on a vu qu'on a activé ça. On n'a pas protégé. Là, n'importe qui peut venir se connecter là-dessus gratuitement. Donc, tout à l'heure, on va voir comment le protéger celui-là. La Wi-Fi, je vous explique, c'est une porte ouverte pour les mecs là qui font des choses malfaisantes avec leur ordinateur. Oui, mais toi là. Là, c'est ça comme ça là, pas trop bien. Je mets un peu de pause. Bon, ok. Mais voilà, je connecte, je dois prendre son adresse IP à cette machine là que je veux. Voilà, je prends RIG à point 4. Il a là 255 le point 4. Ok, D55.4. Donc là je fais un ping ici. Ping 57.88.255.4. Parce que j'ai vu c'est ce qu'il avait. Vous voyez que ça vous répond comme ceci. Qui est envoyé 4 ou 4 pertes 0 0% de perte en fait, durée maximale, durée approximative des boucles en millisecondes, minimum elle est de 4 millisecondes, maximum 312 millisecondes. Ok, en moyenne 171 millisecondes en fait, le temps que votre machine, si on refait un ping, parce que bon, c'est le même résultat. Là, ça a changé, 309, on a gagné sur le concept de tout à l'heure. Par contre, ici, un maximum 580, et là, j'étais. Ce retour, parce que lorsque vous voyez les résultats comme ça, là, c'est positif, ça veut dire que le contact a été bien établi. Vous avez vu? Le premier ping qu'on a effectué de cette machine là, ok, qui est relié à ce réseau là, en étant ici, okay, il est connecté à ce réseau là. Mais de cette machine là, on a essayé de contacter une machine ici qui se trouve sur internet, par exemple le serveur Google, le serveur DNS de Google. Ok, il est 8.8.8.8, il se trouve ici, mais c'était pas encore câblé le réseau. Donc, du coup, c'est pour ça que le résultat est établi. Maintenant, celui-là, c'est cette machine-là qui a contacté cette machine-là. Donc, ils sont dans le même LAN. Ils ne nécessitent pas de routage pour sortir, aller contacter d'autres machines dans le même LAN. Par exemple, celui-là, l'imprimante. Bon, l'imprimante, c'est spécifique. Cet ordinateur-là, par exemple, sont dans le même réseau. Ok,
il y a une carte réseau connectée dans cette réseau-là. Donc, de ce fait, il peut contacter l'interface du routeur, ok? L'adresse, il peut contacter le téléphone, lui, qui est connecté sur le réseau Wi-Fi, c'est le même réseau. Il peut contacter l'ordinateur qui est là, dans le même LAN, dans le même réseau, ok? Il ne nécessite pas de routage, puisque les machines se trouvent dans le même réseau, en fait. Mais pour sortir de ce réseau-là, pour aller contacter, ne serait-ce qu'une machine par là, ben, ça ne va pas le faire, parce qu'il n'y a pas le routage. Je vous dis même pas pour aller voir pinguer le serveur DNS de Google. Ok, donc là on va mettre en place le routage NAT. On va activer les NAT et le DMZ. Donc après, tout viendront bien. Toutes les machines vont communiquer, qu'ils soient ici ou de ce réseau-là ou de ce réseau-là vers cela, celui-là, ou voilà, toutes les machines vont se contacter entre eux. Ok, une fois que j'aurai fini de mettre le NAT en place. Donc là, je vais m'occuper de la Wi-Fi. Puis après, on va voir pour le routage. Donc là, il n'y a pas internet toujours, malgré que vous voyez. Alors tout à l'heure, je vais connecter ceci. Là, j'ai deux machines déjà connectées sur le réseau. C'est pas un problème. On est toujours sur connecté. Bon, il y a trois. Il y a celui-là, plus l'ordinateur portable. Mais ceux-là n'ont pas accès à Internet. Ok? C'est Internet. On va donner accès à tous ces appareils tout à l'heure. Et on a dit que on allait voir la partie Wi-Fi. Donc, la partie réseau, on a déjà réseau LAN câble, est déjà fait, déjà câblé, déjà configuré et tout. On va s'intéresser au réseau Wi-Fi. Ok, donc là je vais mettre un mot de passe ici, parce que lorsque je vais venir me reconnecter ici, j'espère que lui va me lâcher, que vous ayez un mot de passe à rentrer, que ce ne soit pas comme tout à l'heure. Protection. Pour ceci, je retourne ici. Après, on va connecter la partie One. Donc, Wireless Setting. Ok, c'est celui-là. C'est celui-là. Oui, il y a deux. Oui, là, c'est Advanced. Pour descendre dans Advanced. Oui, là, setting. Est-ce qu'il ne me l'a pas rejeté? Parce que le temps que j'explique, ça prend du temps. En général, ils aiment bien qu'on soit. Voilà. Voilà, il me l'a rejeté carrément. Donc, je m'en doutais. Admin. Puis j'ai un antivirus là, lui, qui montre qu'il est pas mal parce qu'il m'aide. Là, sur Wireless Router Setting. Donc, Enable Wireless Router Radio. Donc, ça, c'est des informations en fait. Vous avez l'SSID et BOSCAT. En fait, l'SSID, c'est le nom qu'on va donner à ce routeur, au réseau Wi-Fi. C'est ce que les appareils vont voir. Les WPMM, donc c'est des tailles du Wi-Fi. Si on regarde là, vous verrez que Pinable, vous avez Access List. Donc, ça, ce sont des configurations, des paramètres à bien paramétrer pour que ça puisse bien fonctionner. Bon. Maintenant, soit vous voulez cacher, vous activez votre vie, vous voulez pas qu'on voit le nom, donc vous désactivez cela, ou bien vous le laissez, parce que là, si je le laisse là, c'est correct. Je laisse par défaut ceci, je vais pas modifier avec vous, parce que je vais juste vous montrer comment modifier le nom. Et puis après, on va voir. Mais si, il y a, vous avez vu ici, hein, Wireless Setting, ça c'est Basic Setup. Donc on va dans Wireless Setup. Ok. Wireless Setup. On arrive ici. Nom, Name, SSID. On va dire qu'il s'appelle
97, on va mettre ceci. Majuscule ou minuscule, c'est-à-dire que c'est le nom que les appareils vont voir lorsqu'ils scannent à la recherche du Wi-Fi. Ok, Europe, donc ok, région Europe, c'est bon. Channel auto, sinon le canal de diffusion, soit vous décidez, mais ouais, j'ai ça automatique, mais vous pouvez choisir quel canal que vous décidez diffuser votre Wi-Fi sur ce routeur. Mode BNG, donc un point B à un point G, donc c'est ok. Donc sécurité, donc là c'est là qu'on va mettre le mot de passe, okay, qu'il soit pas libre comme on a vu tout à l'heure, qu'il soit pas libre comme ça, qui est le cadenas. Maintenant il y a le protocole de chiffrement, donc je suis ça web, je vous conseille pas d'utiliser du web parce que c'est voilà périmé. WPA PSK entre parenthèses skip, ça commence à s'améliorer. WPA tiré PSK entre crochets AES, c'est pas des parenthèses mais plutôt des crochets, je dirais. Ouais, et je vous conseille de prendre celui-là, le plus compliqué, WPA-AES et PSK entre crochets escape plus WPA-PSK entre crochets AES, les deux en même temps. Et là vous mettez un mot de passe que vous souhaitez. Donc là je vais mettre un truc basique, mais que là je peux, vous allez devoir voir ça, mais je vais masquer ça après. Un truc basique. Qui okay, vous faites apply. Donc le nom c'est correct, vous laissez tout ceci et vous appliquez. Là le mot de passe est censé, vous faites apply. Vu que ça répond en retard, c'est pour ça que vous ne voyez pas la différence. Voilà, là c'est autre chose. Je fais apply, normalement je dois voir le voilà, c'est bon, la barre bleue. Mais maintenant si je vais dans Windows Settings maintenant, quoi, vous voyez que j'ai les informations que j'ai mis. Ok, et si je vais sur le téléphone, c'est un appareil qui va venir chercher mon Wi-Fi. Maintenant vous voyez que Charintech 17, ce que j'ai mis. Maintenant vous voyez qu'en plus il y a le cadenas. Si je veux me connecter ici, là il demande déjà le mot de passe, il faut que je tape le mot de passe que j'ai mis pour ceci. Donc si je me rappelle c'était ça. Alors par contre c'est spécifique, donc je veux pas le faire parce que vous savez comment ça se passe. Que là s'il faut le clavier de l'ordi ne répond pas sur le téléphone, il faut que voilà. Et là il vient de partir en courrier là aussi. Je pense que vous avez vu déjà au moins cette partie Wi-Fi. Et, ça c'est bon. Et qu'est-ce que je peux le voir encore maintenant, la partie One, c'est top. Là vous avez vu que c'est câblé mais il n'y a pas internet. Maintenant on va câbler ceci qui est au routeur, hein, qui normalement c'est derrière ou switch du réseau là. Ok, donc pour que je puisse avoir accès à internet, que là il y a un serveur DHCP sur ce réseau là, automatiquement que je vais connecter l'interface One, donc le câble dans le point jaune là sur le port One du routeur, et bien lui va donner une adresse IP. Donc pour ce réseau là le One va être ça pour lui. Ok,
Donc, cette interface-là, c'est pas comme ça, non? Ok, oui, je vais le faire dans tous les sens comme ceci. C'est mieux là. Voilà. Là, c'est correct. Et on peut dire que je vais lui donner, il va recevoir une adresse IP ici, là, pour cette interface-là, qui doit être 192.168.0.x, parce que je ne sais pas quelle adresse IP qu'il aura, puisque je vais laisser un DHCP, l'interface One. Si je veux, après, je peux le fixer aussi. On va voir. Fixer, c'est très 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 simple. Il suffit que vous commettez. On va le fixer après, on va activer le DHCP là-dessus. Je vais mettre X quand même. Ok. X. Quel on va mettre là. Ça, obligé, c'est lui qui relie ce réseau-là à ce réseau-là. Donc lui qui va donner accès à Internet aux machines qui vont se connecter là. Là, vous avez vu que cette machine que je suis là, qui tourne ce tutoriel, ok, il est connecté avec sa carte réseau, mais il n'a pas Internet. Il est connecté avec son carte réseau, sa carte réseau test sur ce réseau que j'ai mis là. Ok, si je peux, je peux même renommer ceci. Et si je veux, un peu CCGP, réseau 77.88.0.0. Slash 16. Ok. Je crois qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il supporte pas les caractères. Je peux refaire la même chose. En même temps, il y a le téléphone qui. L'icône. Réseau. Ici 77.88.0.0, donc je vais pas le laisser. Ah, il va pas prendre le point aussi. Le point, il prend pas. Bon, ok, je laisse ça comme ceci. Vous aurez compris que c'est ce réseau là que je suis en train de mettre en place, mais qui n'a pas accès à Internet. Là, maintenant, je vais devoir prendre ce câble là et le relier à l'FAI. Ok. Et avant de continuer, je vais faire en commencer ici que j'envoie chercher la caméra pour aller montrer le petit routeur pour aller le relier à Internet. Pour ceci, vous aurez besoin de la câble RJ45. Celui-là, il est relié au routeur de la Freebox. Ok? Lui, je le prends, mais je le connecte pas sur les noirs, je les mets sur les ports, sur le port jaune. L'interface One. Okay. Là, en principe, vous voyez que j'ai toujours pas Internet. Principe que l'opération est terminée. L'opération est terminée. C'est soit je vais ici, si je vais dans l'interface One. Là, j'ai dit que l'interface One. Je crois qu'il m'a réjecté. Il faut que je me reconnecte. Je fais une entrée tout simplement. Et puis, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais pas ceci. Attendez. Tac. Est-ce que la carte réseau est bien connectée? Je vais voir ça. Si je vois, c'est vrai que la carte réseau soit que c'est déconnecté. Et voilà, les câbles non connectés, c'est pour ça. Voilà, lorsque ça vous fait ça, ça signifie que, ben, voilà, c'est avec le câble noir là. Normalement, il y a des petites choses qui vient
dit que voilà, là, vous voyez que activé, il n'y a pas le point rouge. Donc là, si je fais la même chose à l'œil, m'a amené ici, vu que j'ai pas encore modifié certaines choses, donc le même mot de passe c'est password. Et si vous voyez maintenant, le serveur DHCP a donné une adresse IP à ce routeur. Ok, la partie la plus importante est faite. Donc là, j'ai Internet, le NAT, et on va voir partie DMZ. C'est bon. On va voir la partie DMZ dans pas longtemps. Là, vous voyez que même si que je transpire, mais c'est fait. Là, j'ai le réseau est établi. Je me suis connecté là-dessus déjà. Il y a déjà Internet là. Puis, si je fais ping, et vous voyez que ça répond bien le serveur DNS de Google. Les détails là, ça répond très bien même. Et si vous comprenez que ces quatre réseaux FAI là est désactivé, là je peux utiliser cet ordinateur là pour aller faire mes affaires sur internet. Ils vont pas voir l'adresse IP de les FAI. Donc cette partie là, je peux dire que c'est correct. C'est correct. Et si cette top setting, basic setting, vous avez ici en internet IP adresse du réseau 0. Maintenant, si vous voulez statique IP adresse, on peut le fixer cette adresse pour que ça ne bouge pas. Ok, c'est bon, vous pouvez le modifier aussi, mais par contre vu que c'est un réseau de la classe c'est ici qu'il va falloir agir. Ok, c'est ici qu'il va falloir agir sur la quatrième octet. Par exemple, si vous voulez que ce soit du là c'est du 38 hein, si on fait un IP config ici. Non, pas IP config. Et là, si j'active l'autre carte réseau, puisque lui, je sais qu'il va prendre, je vais pinguer la partie sur ce que je vais faire. Je vais, étant connecté sur ce réseau, je vais venir pinguer le routeur, puisque il a son interface qui est reliée à l'FAI. Je vais voir si normalement tout est correct. J'ai fait un IP config, c'est ce qu'il a, mais par contre il faut que j'active l'autre carte réseau pour faire ceci. Ok, puis je sais que si je fais un IP config, j'ai le réseau FAI qui a pris le dessus. Ok, mais il y a, voilà, c'est celui-là. Si je ping là 192.168.0.38, donc qui est le routeur Netgear que j'ai mis. Ok, par exemple, vous prenez une machine par exemple telle que cette machine là que vous voyez depuis tout à l'heure. Je vais le mettre sur le réseau cette fois-ci de l'FAI. Ok, mais en wifi, comme ça plus vite. Faut que je puisse voir le réseau FAI. Ah, ok. Que je l'enlève sur le réseau CharlieNT97. Il est connecté. Je récupère son adresse IP. Ping. Je vais faire un IP config. Ok. La 36. La 36. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Si je fais un ping maintenant, je mets 36 pour l'autre machine. Vous voyez que ça répond. En toute logique,
L'auto-manager devait reprendre aussi. Mais il y a une chose que je dois faire d'abord. Okay. Je vais le fixer cette adresse. Là, 2, 5, 4. Non, il ne peut pas avoir la D54. Pourquoi? Parce que. Il va avoir la D51. Pourquoi? Parce que sur ce réseau-là, il y a déjà l'autre routeur qui est sur le 1054. Moi, je laisse ça parce que c'est l'autre routeur qui est son. Gateway. Mais non, il peut pas être son gateway, lui. Là, on est sur ce petit machin-là. Ce petit boîtier-là, le routeur. Voilà. Mais je vais faire une chose. Parce que c'est comme ça veut dire que la connexion est repartie. Il faut que j'attends encore que je fasse la même chose. Est-ce que il y a des paramètres qui ont été modifiés? Ou ça bug comme pas possible? Bien sûr, qui perturbe le travail. Donc, là, normalement, ça doit revenir. Entrer. Oui, ça doit revenir. Mais ça ne revient pas. IP con. Clic. Ah. Est-ce qu'il y a pas un souci? Ah, c'est désactivé aussi. Ah, ouais. C'est désactivé aussi, c'est pour ça que ça ne répond pas. Et là, si je refais la même chose, j'aurais même pas besoin de faire la même chose, il va revenir. Voilà. Il a vu qu'on n'a pas encore modifié ceci, c'est toujours comme ceci pour aller paramétrer, password, boum, on revient par là. On a dit que on n'arrive pas à pinguer l'autre côté. Normalement, à partir de cette machine, je dois pouvoir pinguer cette interface-là du routeur. Là, ce n'est pas fait. Pourquoi il y a d'autres paramètres à venir? Alors, de manière que les machines qui sont là puissent communiquer avec ceux qui sont là. Admettons que vous avez déjà une imprimante ici. Vous avez un serveur par là. C'est peut-être un serveur de fichiers, serveur de déploiement, un serveur NAS et tout. Ouais, déjà, serveur NAS, tout là. Je vais voir s'il y a autre chose. N'y a pas de scanner. On va te scanner aussi. Relié ici. Là, j'ai mis ça comme ça, mais j'aurais bien pu prendre un switch. Ok. Et relié là. Donc, un scanner ici qui a son adresse IP. Je suis comme cela. Ok. Et avoir autre chose, un autre ordinateur qui se trouve ici, pourquoi pas, qui lui aussi est relié à ce réseau-là. Ah, mais lui, il est connecté à un seul réseau. Lui, il est connecté à un seul réseau, à celui-là. Maintenant, on peut dire que on peut lui mettre un ordinateur portable aussi ou un autre serveur de comme je sais pas comme quoi. Tous eux, ce sont des équipements que on veut protéger sur ce réseau-là. Donc, raison pour laquelle que j'ai décidé de faire ce réseau-là, alors que lorsque je vais, que ce soit avec cette machine ou une autre machine. Par exemple, il peut y avoir de l'Android aussi sur ce réseau-là.
qui est sur le réseau Wi-Fi par exemple, hein, qui lui chope son internet, peut avoir des tablettes aussi. Des tablettes aussi. Ok. Bon, ça, je vais mettre ça là-haut. Comme ceci. Pour avoir d'autres équipements. Maintenant, pour vous permettre de communiquer avec ceci, avec cela-là, c'est la fonction routage. On retourne sur ici, là. On va déjà activer le DMZ. One setup. Là, on va pas désabler ça là, on active le DMZ et le NAT open, ça c'est le routage. On a activé le DNS, le routage NAT, donc filtering, ok. Je laisse ça comme ceci. Open stopping on internet, je laisse ça comme cela. Et ceci, je laisse activer. Donc, ça, c'est un firewall. Par défaut, vous avez celui de Microsoft Windows Defender. Par défaut, qui fournit ceci. Sinon, vous avez vos VPN. Voilà. Ça, c'est adresse DMZ. Serveur DMZ, ok, ça c'est le réseau. Si je veux, je peux lui dire que c'est là point. Je peux le laisser comme ça aussi, soit fonctionner la point 2 ou la point 87 par exemple. Ceci, et je fais apply. Et là, je laisse ceci. Là, on a vu la partie DMZ et la partie NAT. La partie DMZ, c'est DMZ, normalement, c'est démilitarisé. Parce qu'on va me trouver. Parce que je charge en même temps les paramètres que je viens de mettre. On l'a trouvé, je tape ici en gros DMZ zone démilitarisée. Donc, si vous avez en anglais démilitarisée zone DMZ en anglais démilitarisée zone est un voilà ou est un sous-réseau séparé du réseau local isolé de celui-ci ainsi que je viens de mettre en place ici. Donc celui va être, il dépend pas de ce réseau-là pour, enfin, il dépend pas des configurations de ce réseau-là pour aller sur Internet. Il a ses propres configurations à lui, ceci. Ok. Déjà que lui, si je veux, ok. Je le lis aussi, c'est pas en. Ceci, donc même tous les autres équipements peuvent être liés sur Internet quoi. Le connecter. Donc, je clique là-dessus. Putain, tous les équipements là sont reliés à Internet. Aussi dans la flèche. On les fait bien. C'est plutôt eux qui vont sur Internet. Voilà. Voilà, donc je pense que vous aurez compris ces schémas-là. Je pense que vous aurez compris ceci si je veux. On va faire un test tout à l'heure. Bon, là on est sur le routeur, tout est OK. Là, on ne veut pas désactiver le profil, c'est correct. C'est bon, apply is open. Si
j'active la carte réseau. Et oui. Ok. FAI, puis bon, si je fais un ping, voilà, 36, ok, puis 38, j'en veux bien, ouais, c'est bon. Oui, vu que de ce réseau, j'arrive à pinguer l'interface du routeur. Qu'est-ce que vous voulez? En conchant le DMZ et les paramètres que j'ai coché là, on va faire un tour de ce réseau. Ok, celui-là. Avec l'interface. Donc, on va dire que on peut se connecter ici aussi. Hein, mais donc, celle-là avait une adresse IP. Il a réussi à contacter ce routeur-là. Enfin, qui est une machine sur le réseau. Ok. Et aussi, si je veux, là par contre, il faut que je mets des machines sur le réseau en fait. Donc lui, je vais bien connecter. Il a 36. La 38, c'est lui. La 36, c'est l'ordinateur portable. Je vais le mettre sur le réseau l'autre là, qui est ce réseau là, et on va tenter de le connecter, de contacter à partir de celui-là. Donc l'autre réseau, CLS. Ok, cette machine, putain, le mot de passe que j'ai mis, donc je vais le mettre sur le réseau Charlie Tech 19, donc celui que j'ai créé tout à l'heure là. Je mets son mot de passe que j'avais mis parce que là je peux pas tac, ok, d'accord, et je relève son adresse IP aussitôt pour venir tester ça, la .3 255.3. ok. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vais essayer de pinguer la 77.8.5.3. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il avait. Ok. Donc, vous voyez que le routage est correct. Lui il fait du NAT le. Routage netgear là, et si je peux, je vais utiliser le service de bureau à distance de Windows pour vous montrer à peu près ce qui se passe. C'est vrai que le tutoriel commence à prendre forme, c'est bon, je pense que vous l'avez déjà compris déjà là. Par contre, ce service là, c'est un service de bureau à distance, donc ce que je vais mettre, c'est l'adresse IP de l'autre machine. Je veux dire que qui est celle-là, parce que c'est un réseau tout fraîche, donc je ne le connais pas encore par cœur. Donc c'est la point 3 qu'il avait, que si c'est autorisé en principe, donc connecté sur l'autre réseau avec sur l'autre machine, vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que ça va faire avec ceci et le mot de passe, c'est quelque chose très comme ceci, avec cet utilisateur sur l'autre machine qui je dois faire ceci et voilà. Maintenant qu'est-ce qui reste à faire encore? On va changer le mot de passe parce que s'il vous plaît, c'est un trou noir, j'ai besoin de le faire parce que le mot de passe sur
code qui fonctionne, je peux utiliser ça pour aller sur internet avec ma machine. Aucun cas, le réseau de mon FAI va être vu. C'est ce qui s'est passé là. Donc, je vais une solution visuelle à distance. Voilà, ça c'est l'autre machine. Ok, qui est l'adresse qui est sur le réseau que j'arrive à contacter. Si je prends un CLS, mais par contre, je peux agir directement sur l'autre machine pour voir le nom. Os. Name pour voir le nom, donc voilà, desktop, ça c'est le nom de la machine. Je vais enlever cette couleur là aussi. Là on est sur une autre machine sur le réseau, mais on a utilisé le réseau pour le faire. Slash A, CLS. Si je veux, et puis vous voyez que ce n'est pas. Je vais mettre un peu de transparence. Voilà l'autre machine en fait. Ça c'est l'autre machine. Vous voyez que l'interface est bizarre. Enfin, c'est pas l'affichage, c'est pas bizarre, mais c'est un dessin que j'explique sur le prévisor que bientôt que vous aurez sur la chaîne. Donc là. On retourne sur le routeur. Là, par contre, il y a quelque chose d'autre pour modifier le mot de passe. On voit dans le secteur maintenance, set password. Ok, donc là, admin, mais par contre, en minuscule, je vais laisser ceci. Ok, c'est bon. Et là, vous devez mettre l'ancien password. Puisque c'est par défaut c'est password, donc vous mettez password, ce que vous avez trouvé sur votre un mot de passe, ça se met pas, ce que vous avez trouvé sur l'étiquette, et là vous mettez ce que vous voulez après. Donc, moi je vais mettre quelque chose assez souvent, pourquoi, parce que ça c'est un réseau quand même, il faut qu'il soit souvent, pourquoi? Parce que c'est celui que je vais me connecter à Internet. Après, je vais vous montrer. Là, il m'a automatiquement déconnecté. Là, je ne fais jamais, je ne vais pas enregistrer. Là, par contre, j'ai laissé admin pour le fun. C'est ça aussi pour le modifier. Et là, si je tape password comme mot de passe. Ça me fait ceci, ça me rejette parce que j'ai changé le mot de passe. Donc c'est même admin. Et puis vous vous rappelez du mot de passe que vous allez mettre, s'il vous plaît, parce que sinon vous serez obligé de resetter comme j'ai fait tout à l'heure. Ok. Donc toi, ça a été changé. C'est comme ceci. Tout ceci, je vais laisser comme ça. Et get là, si on peut mettre à jour ce routeur, faire un check pour chercher la mise à jour puisqu'il y a déjà internet. Avant c'était pas la peine de le faire parce qu'il n'était pas connecté à internet. Là j'ai vu que j'active ces quatre réseaux, par exemple le FAI, si je les désactive, et bien je vois toujours accès à internet via cette chose. Là, je crois que c'est maintenant concernant les choses, on verra après. Ouais, pour forwarding, on verra après aussi. Le bouton Wi-Fi, on verra après aussi. Le sinting, on était là-dedans, on a vu. Le WAN, on a vu. Le LAN, on a vu. Dynamique pour quelque chose. Même s'il fait ses mises à jour, c'est pas un problème. www.dns.org, si on veut use et dynamique, tout ça c'est la partie après pour ne pas vous compliquer la chose. Host name, username, password, ça pour les devoir créer un utilisateur. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ceci.
Voilà, c'est pour t'activer les répéteurs Wi-Fi. Si je fais enable this one, this is the wellness. Ok, bon. C'est ce que le paramètre si vous souhaitez. Mais ça, c'est intéressant. Donc, il fait répéteur Wi-Fi. Donc, moi, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que. Ça fait longtemps que je parle là. Je pense que. Voilà. On peut télécharger le fichier de mise à jour aussi. Static route. Là, vous pouvez lui mettre des routes en statique au lieu que ce soit autre chose. Vous pouvez add si vous souhaitez. Là, vous mettez route name comme ultérieurement. Vous mettez l'adresse IP du réseau. Donc, l'adresse IP du réseau. Netmask et puis gateway, ça passerait et tout. Ça, c'est le routage statique. Donc là, on a fait du NAT. Ok. Du NAT. Puis, je crois que c'est pas mal pour ce tutoriel. Donc, ça, c'est une NonL de base. Les bases, les documents. Oui. Voilà. Donc. Ce petit boîtier routeur Wi-Fi, on a vu qu'on fait pas mal de choses avec. Ok, là j'ai mon réseau. Là, si je veux par exemple dire que je vais prendre ceci, tiens, ceci, ok, et je sais pas s'il voit en même temps, il va pas, donc vous ne voyez pas parce que ça saute l'image. Image shoot, voilà, ceci qui est un autre switch, ok, commutateur, okay. Et je lui branche ici sur le LAN du routeur. Cette fois-ci, je le mets en LAN comme ceci. Vous avez vu, ça, je l'ai branché en LAN. Et bien, je peux rajouter, par exemple, lui, il a une affaire de 8 ports face Ethernet. Ok, là, il y a 8 ports face Ethernet qui peut faire la continuité de ce réseau là. Si vous avez des machines, et eh bien c'est comme ceci pour paramétrer. Qu'est-ce que je vais encore, et eh bien si vous avez suivi ce tutoriel, là j'ai le TCP/IP. Donc voilà, tout ceci, ça c'est le réseau qu'on a choisi. On aurait fixé une adresse IP use de adresse. Bon, voilà, il a son serveur DHCP activé sur routeur Netshare. Ouais, avoir fini avec le schéma. Et après, je mets fin au tutoriel. J'espère que vous aviez suivi et que vous aviez compris pas mal de choses. Donc là, ok. Et si je dis routeur Netgear comme ceci, mais cette fois-ci, je vais le prendre en machine Netgear comme cela, c'est maintenant en termes de ceci, hein, bon, on peut le laisser sur ce segment réseau là, s'il vous plaît. Ça allait passer aussi, hein, même si je l'avais adressé, puisque vous avez tout ceci comme Et si je veux, par exemple, pour faire clair, aller fixer l'adresse IP sur cette machine. On a dit qu'on a mis la pointe 10. La pointe 10. Ici, au lieu que ce soit X, on a dit que c'était la 38. Ok, qui relie 38, d'accord. C'est le 4 réseau.
À 38. Et c'est bon. C'est bon. Ça, c'est bon, c'est des réseaux. Si on peut dire que par contre, cela, j'ai oublié de vous dire que les switches, les hubs, ne comportent pas d'adresse IP parce que la seule façon que vous pouvez mettre une adresse IP sur un switch, c'est via un VLAN. Mais après, on verra ça. Après, ça, il faut que je vous trouve des. Il faut que je vous trouve des switches Cisco manageables. Ok. Là, le schéma est ceci. Si je veux faire un peu de le tutoriel presque arrive à sa fin. Si je peux prendre quelque chose comme ceci. Je vais mettre un label comme ceci. Je vais le mettre. Et lui, je vais enlever ça par là. Je mets ça par là. Ok. Mais ça a failli aussi. Le Foobox fait le rôle de Freebox chez vous. Votre box Bouygues vous fait le fonction de tâche aussi. Votre Freebox. Ça, c'est bon. Ok. Et ici, ce que je vais faire, j'en vais. Ça, c'est les réseaux que je vais mettre là. Et bien, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt pour tout tutoriel de la sorte, parce que le réseau informatique là. C'est le réseau informatique. Voilà, j'ai pris. Voilà, je suis transpiré. À bientôt et merci de vous abonner, s'il vous plaît, pour plus de.